Terre brûlée, terre brûlante, Afrique. Nous partons vers le pays des mirages qui naissent du feu, vers les volcans, les fleuves bouillonnants, les forêts pourrissantes. Vers le pays des hommes torréfiés, brûlés comme grains de café. Vers le pays où la main, quand elle s'avance hors de l'ombre, se change en or. L'or, ce métal de feu. Derrière une crête, comme une toison crépue, voici l'apparition splendide et fraîche de l'oasis de Berian. Une oasis artificielle, car l'oasis est née de l'eau. L'eau que l'on a trouvée il y a des siècles, en creusant le puits à 30 mètres de profondeur. Le puits est le cœur de l'oasis. Et l'eau est plus précieuse que le sang, ces régions où il ne pleut presque jamais et où l'eau seule peut donner et conserver la vie. Nuit et jour, depuis des siècles, comme un battement de cœur. Canaux d'irrigation fertilise et grâce au puits, grâce à l'eau, près de ces palmeraies, naissent les villes nègres, Gardaïa, aux maisons couleur de sable. Le sable où se dessèche le squelette du chameau. Le sable mouvant. Pour passer, les véhicules doivent être bien lancés. Sinon, on prend racine. Heures de retard. Nous ne sommes pas fâchés d'en partir. Le feu va reprendre ses droits. Le paysage ne change plus avant le Tannezruft. Nous entrons alors dans ce Tannezruft qu'on nomme le pays de la peur et de la soif. Et de fait, durant 1300 kilomètres, il n'y a plus aucun puits sur la piste. L'air brûle sur l'immense plateau dénudé. Et voici le phénomène, le mirage né du feu solaire. Une colline, là-bas au fond, devient un énorme poisson-ci. Tout se métamorphose, paraît incertain. Une roche, un éclat de pierre, deviennent de hauts végétaux qui trempent dans des marais. Images illusoires. Il ne faut d'ailleurs pas se faire d'illusions. Voyager dans le désert ne va pas sans danger.
Ce car de transport saharien, là au milieu, était en panne. Et ses occupants n'avaient ni bu ni mangé depuis 3 jours. Mais revoici les dunes, les terres où il ne pleut jamais sont franchies. La végétation renaît, monstrueuse. Le baobab dévore un sol aride et sec, se hérisse et dresse un tronc et des branches pachydermiques tordues par la chaleur. Cet arbre fabuleux, au bois plus dur que le fer, semble un avortement monstrueux témoin des âges révolus. Le baobab et le vautour, c'est l'annonce des villes nègres. Les vautours à tête de mort, ces mangeurs de cadavres et d'ordures. Ils assurent le service des voiries. Dans cette ville étrange, ils trouvent des perchoirs à l'angle des maisons nègres. Ces maisons nègres qui sont décorées comme des demeures arabes. Kano, ville nègre de 250 000 habitants. Larges artères, ancien marché d'esclaves, carrefour du désert, au nœud des grandes routes chamelières, centre d'échange. Le marché. Mouche du marché. Viande, graines. Graines de mil. Et des poteries admirablement tournées qui brillent comme des cuivres au soleil. Étoffe charbonnaise. Restaurant en plein air, la grillade de moutons. Voici les épices. Encore des épices. Toujours des épices. Voici même une beauté plus qu'épicée. Une dame de facilité. Celui-ci n'est pas celui que vous pensez. Et l'amuseur public. Les marchands de légumes. La rue des tailleurs. Le quartier des marchands de tapis. Des bois de construction. La ville est bâtie au moyen de bois que l'on a plaqué de terre. C'est de la terre armée, armée de bois. Une véritable termitière humaine. Pas de fenêtres, des portes basses pour empêcher le soleil d'entrer. À partir de Kano, nouvelle étape. Nous entrons dans la région des grands fleuves. L'eau reprend le dessus dans sa lutte avec le feu. De l'excès de l'eau et de l'excès de la chaleur, vont naître la pourriture végétale et la torpeur humaine, la bagarre des végétaux, au milieu de laquelle l'homme noir se débrouille comme le font les bêtes. Le fleuve Mbomou, frontière du Congo belge. C'est au... Oh,
À ce moment... Probablement le dernier télégramme qu'envoya le roi Albert, qui devait mourir 4 jours plus tard. Mais avant d'atteindre la région équatoriale, le cœur pourrissant de l'Afrique, on ne s'attend guère à trouver ce camp militaire, le camp de Bouta, une véritable parenthèse dans cette Afrique sauvage. Les soldats noirs se sont engagés pour 7 ans, ils sont, paraît-il, tellement contents que 50% d'entre eux rengagent. C'est que leur uniforme leur assure les plus belles femmes de leur race. Ils vivent au camp avec leurs femmes. Leur progéniture y grandit. Une caste nouvelle, qui se croit supérieure aux noirs demeurés dans la brousse, se forme donc ici, dans les camps militaires. Et aussi dans les missions catholiques, que dirigent les pères de l'abbaye de Tongerlo. Est ainsi devenu l'un des centres les plus importants de la jeune Afrique. La croix et le clocher ont remplacé le fétiche et la cabane du sorcier. Féticheurs et sorciers tyrannisent les tribus sur la porte des jeunes nègres vers les disciplines plus libres du catholicisme. Les missions sont aussi des centres de culture et d'élevage. Les éléphants de la mission travaillent plusieurs hectares de terrain. Ils défrichent la terre où prospèrent alors les troupeaux, les cultures de caféiers, les cultures de bananiers. Culture de la terre et culture de l'esprit vont de pair. Et l'on est tout étonné de trouver au cœur de cette Afrique les écoles officielles de l'État, dirigés par les pères baristes et pareils à nos écoles d'arts et métiers. On y forme des charpentiers, des forgerons, des mécaniciens. En même temps que notre culture et nos métiers, on trouve là aussi nos sports et nos jeux pratiqués d'une manière un peu bizarre. Ils sont d'ailleurs bizarres, ces jeunes nègres, vêtus à l'européenne, et qui continuent de préparer leur nourriture à la façon nègre. Il arrive que l'atavisme l'emporte et rende à la forêt ce demi-civilisé. Mais d'autres restent qui vont créer l'aristocratie noire. Finalement, il s'établit une sorte de moyenne, le village du demi-civilisé pour majorité catholique. Mais les mœurs autochtones et certains métiers indigènes s'y perpétuent. Voici le sculpteur moderne. Celui qui remplace les anciens sculpteurs de fétiches. Au lieu de fétiches, le nègre façonne aujourd'hui des objets, des vases, des animaux qu'il vend lui-même aux blancs. Commercialisation d'un art jusqu'ici purement magique. Le travail est néanmoins toujours exécuté selon l'art et les manières indigènes. Bois sculpté, roche sculptée. Sculpté par les os. Voici les chutes géantes de la Tchopo, sur le fleuve Congo, presque l'équateur. Une tribu primitive, les Wagenya. La tribu vit exclusivement du produit de sa pêche. Les Wagenya ne chassent pas, ne cultivent pas. Ce sont des pêcheurs d'une extrême habileté dans la préparation et la réparation des nasses. La pêche a lieu matin et soir aux heures fraîches.
Wagoniens sont d'une audace inouïe. Ce sont de véritables ingénieurs et de vrais acrobates. Des rameurs et des nageurs extraordinaires. Il arrive que le rapide projette violemment leur pirogue de 150 à 200 mètres. Ils prennent alors la dérive en prenant le courant de biais. Voici l'autre phénomène, la grande forêt, la forêt vierge équatoriale. Une masse confuse, une bagarre de troncs, de racines et de lianes qui s'étouffent, s'étranglent, s'entretuent. Au pied de ces géants pourrissent des végétaux faibles et des squelettes d'animaux. Des fourmis voraces nettoient ces eaux de leur chair. Au pied de ces arbres géants vivent des hommes nains, les pygmées. Les femmes ne mesurent guère plus de 1,30 m. Elles construisent des huttes de la façon la plus primaire, avec des feuilles de palmier. Rien ne dit que ce sont des dégénérés. C'est peut-être la race autochtone de l'Afrique. Dans le fouillis de la forêt, ces nains prognates, au front bombé, mènent une existence misérable, une existence de végétaux, d'insectes. Lorsqu'ils ont dévoré, rongé à la manière des insectes une partie de la forêt pour se chauffer et s'éclairer, les indigènes déménagent et recommencent plus loin. Des races plus fortes vivent au-delà et en lisière de la forêt équatoriale, dans les villages du Kivu. Vie végétative néanmoins, peu de besoin. L'énorme chaleur porte à l'indolence, à la torpeur et dessèche les seins des femmes. L'art du feu reparaît, mais cela reste une sorte de miracle. Le forgeron attire autour de ses soufflets poussifs un cercle d'enfants aux chevelures étranges et d'indolents respectueux, car son art est entouré de prestige.
Congo, priez pour nous. Les femmes préfèrent la bière de banane. Le nègre l'absorbe en quantités énormes jusqu'à l'ivresse totale. Non seulement la chaleur affaiblit l'individu, mais elle le porte encore dans cette région à l'ivrognerie. De là ses tares, ses jambes desséchées, de l'homme à moitié cadavre déjà. Sur la rive du lac Albert, l'un de nous a tué un buffle. Une vaste opération chirurgicale commence, la tribu voisine veut profiter de l'aubaine. Danser. C'est la façon nègre de refaire une grande route au Kivu. Il la dame avec les pieds et avec les mains. Les plaideurs sont agenouillés.
Le demandeur à l'avant-plan a la parole. Je suis allé chez Makanda, le père de Mohanuka, pour travailler chez lui. J'étais pauvre. J'ai juré. J'ai dit à Makanda, tu seras mon père, tu seras ma mère, je deviens ton fils. Makanda fut d'accord. Par la suite, Makanda me donna sa fille en mariage, et puis il mourut. Et laissa notamment deux fils de son frère. Ce frère, en mourant, avait laissé une femme. J'aimais cette femme et demandais à Mohanuka qu'elle puisse venir chez moi. Mohanuka fut d'accord et me dit de lui apporter de la bière de banane. Comme je ne trouvais pas de bière de banane, je lui ai donné deux chèvres. Par la suite, Mohanuka a obligé la femme à me quitter et elle est partie. Je réclame mes deux chèvres et leurs 5 chevaux. Tout ce que dit Rumvu est bien exact. Sauf pour un point. Je n'ai jamais repris la femme de mon père, qui habitait chez Rumvu. C'est Rumvu lui-même qui a chassé la femme de chez lui. D'ailleurs, Kachoke connaît toute cette affaire. Il est ici, vous pouvez le lui demander. Je ne dois donc rien à Rumvu. Appelons le témoin, il nous dira s'il est vrai que Mohanuka a repris la femme de son père, qui habitait chez Rumvu. Le témoin va prêter serment. C'est Rumvu qui a chassé la femme de chez lui. Il est allé chez le clerc Kakeza pour se mettre en ordre avec leur censement. Le tribunal se retire pour délibérer. L'administrateur blanc dit qu'il approuve la sentence que va lire le juge indigène. Rumvu a perdu son procès. Le cadeau de deux chèvres qu'il a fait à Mohanuka est définitivement acquis à Mohanuka. Car ce cadeau ne constituait pas une dot coutumière. Rumvu perd les 5 francs de droit d'inscription au rôle qu'il avait versé. Et voici maintenant le feu, les volcans du Kivu. Les indigènes vivent comme des fourmis dans des villages pareils à des rubans qui s'alignent sur les pentes. Ces villages sont une création des blancs. L'hygiène et la propreté y sont obligatoires. Si l'on y trouve des ordures, le chef du village est jeté en prison. Et voici les terres brûlées, les terres de feu, les volcans. Le cratère du Nyamlagira s'étend sur plus de 3 km. Il est formé de plusieurs cuvettes étagées. Des millions de tonnes de matière en fusion bouillonnent dans ce gouffre. Voici la paroi intérieure du cratère. On dirait une énorme carie, une énorme fistule de l'écorce terrestre. Il s'en échappe des laves comme une sorte de puits brûlant. Il règne ici une forte odeur de soufre. Ailleurs, le feu couve sous la cendre. La cendre est en réalité une chape de lave morte, épaisse de plusieurs mètres. Là-dessous, des poches de gaz se gonflent et crèvent. Sous la poussée, la terre se crevasse et laisse échapper des coulées nouvelles et d'épaisses fumerolles. Comme pour apaiser cette énorme brûlure des volcans, voici le lac Kivu, qui s'étend juste au pied du massif volcanique. Nous nous embarquons. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas en Europe. Le château fort est une fantaisie du planteur M. Dirks, qui vient d'acclimater là 500 espèces de fleurs, d'arbres et de plantes importées d'Europe, d'Asie et d'Amérique.
Les enfants sont nés en Afrique. Leur mère, le père, colon de la première heure. Ces fleurs blanches, splendides, ce sont les fleurs du caféier. Ces lourdes grappes de baies grosses comme du raisin, ce sont les graines du caféier arabica. Il arrive que le caféier soit malade. Un champignon minuscule lui donne la fumagine. C'est une moisissure provoquée par ces sortes de bourgeons que l'on voit sur la branche et qui sont en réalité des pucerons. Des fourmis s'agitent autour de ces animalcules quand elles tirent une sorte de lait. Or, des coccinelles dévorent les pucerons, si bien que le planteur élève des coccinelles. Mais dès que la bête à bon Dieu arrive sur la branche aux pucerons, les fourmis qui surveillent leur cheptel s'alertent. En masse, elles se précipitent contre l'ennemi. Les unes immobilisent la coccinelle en grimpant sur ses élytres pour l'empêcher de prendre son vol, tandis que d'autres essaient de lui scier les pattes. En Afrique, le feu est une obsession. Sur le lac Tanganyika, les nègres pêchent au feu, la nuit, à la lueur des torches. Ils fabriquent d'énormes torches de bambou qu'ils allument à l'avant de leur pirogue. Le poisson, appelé makala, sorte de sardine, est attiré par la lumière et il se prend en masse dans les filets. La pêche n'a lieu qu'après le coucher de la... Maintenant, nous échappons à l'emprise d'un soleil écrasant, tueur d'énergie. Nous montons vers les hauts plateaux de l'Urundi. L'énergie humaine renaît. Voici l'un des plus beaux exemples de civilisation de la terre africaine. Au Rwanda, à la cour du roi Mutara Rudahigwa, le roi et son épouse. Mutara est le fils du fameux Muzinga, aujourd'hui destitué par le gouvernement belge à cause de ses excès. C'est le chef des Watutsi, une race splendide ces Watutsi. Chevelures étranges, de vraies horticultures, taillées à la façon des coiffes égyptiennes en cornes de lune. Ils viennent vraisemblablement du Nil. La taille des hommes dépasse régulièrement 2 mètres. À la fois très mâles et presque efféminés, ces athlètes sont 200 000 et dominent une population de 3 millions de Mutu. Cette domination et la pureté de leur race se maintiennent grâce à des mœurs très sévères. Bye.
formation sportive extraordinaire, ajoutée à la sélection des naissances et à la sévérité des mœurs, aide à maintenir cette race dans sa pureté et sa domination. Élégance, on les retrouve sur les fresques de l'ancienne Égypte. Les Watutsi triomphent dans le saut en hauteur. Deux mètres trente, sans tremplin. Un monticule de 10 cm leur sert de sautoir. 2 mètres 30. Et ils sont des dizaines à le faire, en série. Parfois lance en main. C'est extraordinaire. Ce sont les vrais champions du monde. C'est de voir ces séminaristes catholiques du séminaire de Cap-Gaille, ces futurs prêtres catholiques, perpétuer les danses de la race avec l'autorisation de l'évêque. Descendu des hauts plateaux, nous retombons dans les chaleurs écœurantes, sur les bords de la Semliki, 54 degrés à l'ombre. La mouche Tsetse a vidé la région de ses hommes. Les crocodiles y croupissent à l'aise et en grand nombre. Leur présence est signalée par les pluviants, car vous savez comment ces oiseaux parasites se nourrissent. Ils vont chercher leur nourriture dans la gueule des crocodiles. Cette contrée malsaine, désertée par indigènes, est un des rares endroits où l'on puisse approcher ces reptiles, qui n'étant point traqués, se montrent au grand jour. Ils vivent dans ces hautes herbes du rivage, où l'on peut remarquer des trous, des sortes d'embouchures de petits canaux. C'est l'entrée des repères. Cette espèce de mine flottante, c'est un hippopotame qui nous précède à 50 mètres. Voici 20 crocodiles, dont certains mesurent 8 mètres de long. Ils restent couchés pesamment sur le sable la majeure partie de la journée. À notre approche,
Les voilà qui se dansent dans la rivière, comme des barques. Le crocodile se défend mal sur terre, où il se meut avec difficulté. Il ne se sent en sécurité que dans l'eau. En une heure, nous croisons des centaines de ces bêtes énormes, hébétées sous leur épaisse carapace, et dont la vie indolente ne dépasse pas le cadre d'une berge de sable et le lit d'une rivière. Terre de feu, terre du soleil, terre où la main, quand elle s'avance hors de l'ombre, se change en or. L'Afrique est aussi la terre de l'or, ce métal de feu. Les mines d'or de Kilomoto. Les chantiers couvrent 65 000 km², deux fois la Belgique. 26 500 travailleurs nègres, 270 Européens. On y recueille 6 000 kilos d'or par an, 6 tonnes d'or. Et s'il n'y a que 3 grammes d'or dans une tonne de terre aurifère, comptez les tonnes. Les sables aurifères sont conduits vers les tables de lavage, car il faut laver l'or. C'est l'eau qui délivre ce métal de feu. Dans les gouttières inclinées, l'eau entraîne le sable. L'or plus lourd se dépose sur les tables. On l'y recueille deux fois par mois. On traite ainsi 620 000 mètres cubes de gravier par mois, sur plus de 1000 tables. Après quoi, l'or ainsi obtenu est lavé au pan. Et il ne reste bientôt plus que les pépites. Le lit des fleuves parfois renferme du métal jaune. On se sert en ska de drague pour remonter la boue de sable qui porte l'or. Les graviers sont débourbés et classés dans ce que l'on appelle un trommel. Puis ils sont répartis sur les tables de lavage. Outre le fleuve et la mine, il existe aussi des montagnes d'or, le Tsi par exemple. On éventre la montagne. Vous pouvez être sûr qu'elle passera entièrement par les broyeurs. L'or enclos dans le quartz doit d'abord être libéré par le broyage. Puis il passe dans les moulins dits chiliens. Là, une première partie de l'or s'amalgame avec le mercure qui recouvre ses tables. C'est ainsi qu'à ce jour, on a tiré des mines de Kilomoto 77 800 kilos d'or. Une autre richesse du Congo, c'est l'éléphant. Voici les éléphants de Kangala Nabodio, la station expérimentale de l'État. L'éléphant, capturé dès son jeune âge et domestiqué, est un serviteur admirable et monumental. Jeune, au dressage, est placé aux côtés d'un aîné qui
connaît le métier. D'un pachyderme. C'est hélas la bouche horriblement mutilée d'une de ces femmes à plateau que l'on rencontre dans certaines régions de l'Afrique. Plateau de forme et de grandeur différentes. Ce n'est pas pour s'embellir, comme on pourrait le croire, que les nègres ont inventé cet ornement ahurissant. Mais à l'époque où les Arabes descendaient au cœur de l'Afrique pour rassier les femmes et les emmener en esclavage, les Noirs ont trouvé cet étrange moyen de résistance passive. Défigurer leurs épouses pour en détourner les ravisseurs. Nous revenons maintenant vers Bouta. Bouta rejoint, nous avons bouclé un parcours de 8000 km en Afrique centrale. Par Kano, la ville des vautours, nous regagnons la route du Hogar qui nous mène bientôt à Agadez, aux portes du désert, où la légende situe le royaume d'Antinéa. Agadez, porte de l'Atlantide et du désert. Des murs nus. Des murs nus au dehors, une tour étrange hérissée comme un cactus, la mosquée d'Agadez qui date de 5 siècles. Des murs nus au dedans, des cryptes, des galeries, des caveaux où l'on trouve quelques fraîcheurs. Les secrets du Hogar. Les femmes sont belles. Des rues étranges. Où s'arrêtent des chameliers touaregs qui suivent l'ancienne route des caravanes. Murs de fort, des châteaux forts de sable, architecture du sable, la ville semble retourner au sable dont elle est née, architecture du sable, épure d'architecte. Des cimetières, étranges alvéoles humaines au centre du désert, des humides forêts de l'équateur au sable du désert, la race noire ne trouve qu'une terre brûlante et brûlée et un soleil de feu qui la condamne à la léthargie. Alvéoles humaines, terres alvéolées. Un Tegidam Tessum, dans le Hogar, l'eau du sol est salée. Richesse inestimable sur la route des caravanes. Le sel conserve la vie. Le sel est précieux comme de l'or et de l'eau dans ces pays de la soif et du soleil qui pourrit ou dessèche. On la recueille précieusement comme on le fait ailleurs pour l'or.
On creuse le sol, on en retire l'eau que l'on verse dans ces alvéoles préparées. L'eau s'évapore sous l'action du soleil et la couche du sel s'épaissit. Et en même temps, l'architecture se solidifie. Nous remontons vers le nord. Cette croix, c'est à Tamanrasset, l'ermitage du père de Foucault. Ancien méhariste, le père de Foucault vint vivre ici dès 1905, dans un hogar encore insoumis. Les Touaregs l'assassinèrent sur le seuil de sa porte, le 1er décembre 1916. Nous allons toujours vers le nord, dans la partie la plus sauvage du hogar. Dernière trace de vie, ce lézard qui fait corps avec la pierre. Tout s'enlise. Les montagnes disparaissent sous les sables. Il ne reste plus que leur sommet, éclaté sous la chaleur, qui forme des îles au milieu de cette mer de sable qui comble les vallées. Immense barrière, rempart de l'Afrique, séparant la race noire de la race blanche. Rive de l'Afrique, cette Afrique des mirages née du feu.